J'avais envie de me remettre à filmer. Oh là là, ça y est, l'été est arrivé pour de bon. Franchement, hier il faisait très chaud et pour la petite histoire, j'ai emmené ma belle-mère sur Paris. J'adore vraiment ma belle-mère, je la considère comme une amie. Et elle connaît pratiquement pas Paris, elle a toujours fait sa vie dans les Yvelines, travaillé dans les Yvelines, même jusqu'à sa grand-mère a vécu là, juste à côté de chez elle. Enfin, vraiment, Paris, elle connaît très très peu. Donc, je lui parlais notamment des petits salons de thé où j'allais. Et du coup, elle avait bien envie de découvrir. Mais ça fait genre 2 mois qu'on en parle. Donc, moi, en fait, quand j'avais organisé notre petit périple, c'était en mode printemps, vous voyez. Et le hasard a fait qu'on a calé la date hier. Et je lui ai dit, bah désolé, dans l'équation, je n'avais pas prévu la chaleur extrême. Donc voilà, bon, c'était quand même sympa. Mais c'est vrai, voilà, je lui ai dit, bah je voulais te faire découvrir un super salon de thé. Avec la température, on n'a pas trop trop envie de boire du thé finalement, hein. Bon, moi j'ai pris un thé glacé pour le coup, c'était très bien. Mais le salon de thé, j'en parle de temps en temps sur Instagram, il s'appelle Rosté. Il est à la station Ledru-Rollin dans Paris et j'adore. J'adore déjà leur thé, ils font leur propre thé. Est-ce qu'on peut commander du thé sur internet? Je crois oui, parce qu'ils ont un site internet, je vous laisserai regarder. Mais parce qu'en fait ils vendent du thé, mais ils vendent aussi un peu de vaisselle. Vaisselle, coussin, deux, trois petites choses. Et donc on peut acheter leur propre thé. Donc ceux qu'on consomme dans leur salon de thé. Et donc des bons petits gâteaux faits maison et tout. Aïe 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 aïe, je les adore, ça fait des années que je les connais et j'adore. Et on a passé un super moment. Je l'ai aussi emmenée au jardin des plantes qu'elle ne connaissait pas. Et elle a beaucoup aimé parce qu'elle aussi adore les plantes. C'est elle qui m'a initiée. Comme vous pouvez voir derrière moi, Pogno est passé par là. Pogno nous fait des terriers. Pogno nous fait des terriers. Je vous ai fait un reel sur Instagram. Elle s'amuse bien. Donc bah nous on s'amuse aussi à reboucher les trous au fur et à mesure. Voilà. Ça c'est cool. Oh là là ma plante, faut que je t'arrose toi. Oh, je suis du genre à oublier mes plantes. Je suis une catastrophe. Ça c'est la plante que ma soeur m'a offert il y a 2-3 ans. Donc j'y tiens énormément. Allez, on va un petit peu l'arroser. Oh là là la pauvre. Oh. Ah là là, pauvre petite plante. Désolée, vraiment désolée. Je voulais en profiter pour vous montrer mes petits achats. Donc déjà, chez Rosté, j'ai pris le thé vert tous les matins du monde. Je ne l'ai jamais testé celui-là. Je sais que, je crois que c'était un thé sur la croisette que j'aimais beaucoup. Mais là, j'ai senti l'odeur et vraiment, ça me plaisait beaucoup. Je vous mettrai à l'écran ce qu'il y a dedans parce que ben là, c'est pas écrit sur le sachet. Et bref, alors, oui, la blague, la blague. Parce que du coup, ma belle-mère me dit qu'elle veut offrir un cadeau à une petite jeune fille de 20 ans qu'elle connaît, parce que ça va être son anniversaire. Donc, elle lui cherche un cadeau. Hydratation. Et donc, nous voilà partis sur Paris, à faire plein de boutiques, et à se retrouver à acheter plein de babioles pour nous-mêmes, et pas du tout pour la petite jeune fille en question. Et des fois, ben, on était chez Sostrengren. Mais cette boutique, ma belle-mère et moi, on est trop sur la même longueur d'onde. On était trop à fond toutes les deux. Et on était là, non, mais c'est horrible ces boutiques. On a envie de tout acheter, quoi. C'est pas possible. Et bref, je me suis restreinte quand même. J'ai acheté que deux petites choses. Mais ouais, enfin, je veux dire, on était dans notre délire. En mode, ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Puis à un moment, j'arrive, je fais, au fait, on a toujours le cadeau à acheter. Ça change pas. Bref, j'ai acheté ce fil, je sais pas si vous le verrez bien. C'est un fil métallique, donc pour faire des petites créations. Et en fait, il y a un an, je vous en avais parlé il y a un an dans un vlog, j'avais acheté du fil doré justement pour faire des petits bracelets. Mais en fait, j'étais tombée sur un site internet où il y a plein 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 de références pour faire des perles, pour voilà, faire des créations. Donc c'est top. Mais c'est des photos, donc on voit pas réellement le rendu. Et finalement, le fil métallique que j'ai me plaît pas.
enfin métallique, c'est pas du métal, hein, c'est du fil, mais métallisé, voilà. Et lui, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, mais c'est exactement ce que je cherche. Donc je l'ai acheté, évidemment. Et je suis tombée sur ça. Alors oui, dans les, je pense, le prochain vlog, ou celui-là, je ne sais pas. À chaque fois, je vous montre tellement de trucs, au bout d'un moment, sinon je fais des vlogs de 3 heures. Mais donc peut-être le prochain, je ferai des perles. Et du coup, là, j'ai, vous voyez, ces petites pinces pour notamment, voilà, ouvrir les petits anneaux en métal des petits bracelets et tout. Je me suis dit, très très bien, très très bien. Évidemment, plein d'autres trucs me faisaient envie, mais je me suis calmée. Et du coup, totalement par hasard, au détour d'une petite ruelle, ce que je faisais d'en face, j'adore ça, tomber sur des petites boutiques que je connais pas. Bon, après du coup, on dépense de l'argent. Je suis tombée sur une... En fait, c'est une herboristerie slash concept store. C'est tout petit, hein, c'est tout petit. Mais notamment, ils vendent plein d'infusions, or soit des mélanges déjà tout prêts, soit des plantes à l'unité, mais même, il y avait des plantes. J'ai pas noté ce que c'était, mais je ne connaissais pas le nom. Pourtant, j'en connais un rayon en plantes, hein, franchement. Je ne connaissais pas, et vraiment, mais les plantes... Enfin, genre tout ce qui est fleurs, tout ça, très coloré, très... enfin, on sent que c'est de la belle qualité. Et moi, en fait, je cherche des tisanes, pas spécialement pour leur effet, mais pour leur saveur. Et en fait, j'en ai marre, vous savez, des éternelles tisanes bonne nuit, tisanes digestives, où il y a tout le temps les mêmes plantes dedans, on a tout le temps les mêmes saveurs, c'est un peu triste. Et là, j'ai trouvé ça. Alors, c'est une tisane, il y a marqué « jolie jambe ». J'ai aucun problème de jambes lourdes, mais bref, on s'en fiche. Donc c'est une tisane saveur pamplemousse groseille, et ça sent très fort le pamplemousse. Et j'adore les agrumes, et quand j'ai senti ça, j'ai craqué. Donc il y a feuilles de mûre, feuilles de bouleau, hibiscus, ortie, feuilles d'olivier, maté vert, arôme naturel de pamplemousse, arôme naturel de cassis, groseille. Aïe aïe aïe, je l'ai pas testé, le thé de chez Rosté non plus, mais ma belle-mère a craqué aussi, elle l'a acheté aussi. Je crois qu'il fait sombre là. Est-ce que c'est mieux comme ça, je ne sais pas, bref. Donc voilà pour mes achats. J'ai déjà plein de thé et de tisane, ça ne rentre même plus dans mon placard, mais bref. Voilà. Ah, il faut que je vous montre. Je vous avais dit que j'avais fait, j'avais mis du basilic dans de l'eau. Ta-da ! Je sais pas si vous allez voir. Oui, si. Donc, je vais le planter aujourd'hui parce que ça a bien marché. Ça a pris du temps. Il faut être patient. Et par contre, la coriandre. La coriandre, il y a un seul brin. Bon, vous le verrez. Un seul brin qui fait des racines et les autres, non, elles sont en train de pourrir. Donc, je vais planter le brin que j'ai là. Et j'ai soif. Peut-être que de me voir boire, ça vous donnera envie de boire. Et du coup, je suis très contente parce que là, j'ai un bac de compost qui est bien mûr. Donc, je vais pouvoir virer la vieille terre de certains bacs, mettre du bon compost et pouvoir planter mes petits semis qui sont en train de bien pousser. Donc, je vais faire ça. Oh juste, ouais, je vous montrais ça, mais pareil les tuteurs, mais ça me fait mourir de rire, cette lapine me fait mourir de rire. Les tuteurs, moi j'avais trouvé ce petit coin adorable, nickel pour mettre les tuteurs, mais ça ne plaît pas à madame. Et regardez un peu,
Regardez comme elle a bouffé le truc là. Tout ça là, elle l'a bouffé. Là aussi. Ah, cette lapine. Voilà. Voilà, c'est tranché. Elle s'amuse, hein. Et je sais plus ce que j'avais dit, mais du coup, on a mis ça parce qu'elle foutait toute la terre là. Mais du coup, on va mettre un tout petit, une toute petite barrière qui puisse enjamber quand même. Mais juste pour que la terre n'envahisse pas la terrasse, quoi. Allez, on arrose un peu. Bon, et ben pour l'instant, je vais le mettre ici. Alors, désolé pour les gosses qui gueulent. Hein. À côté de ma ciboulette. Oui, je mets ça, hein, parce que j'ai systématiquement des pucerons. Vraiment tous les ans, genre, même il a des pucerons, je traite avec du savon noir, il est nickel. Vous êtes sûr que même pas une semaine après, bam, repucerons. Ah, mais non, mais j'écrase des trucs là, oh là là. Voilà, eh ben, bonne chance. Et je vais mettre ma petite branche de coriandre, je pense, ici, et je vais essayer de semer des petites graines. Je vais, pareil, enlever un peu la terre, mettre du compost, et je vais faire ça. Oh bah que se passe-t-il par là? Oh bah c'est du bordel, hein. C'est pas comme ça d'habitude. Bah oui, je jardine. Bah oui. J'ai besoin de cette caisse, Pogno. Bah oui. Bah oui. Bon, tu m'as fait des dingueries, toi. Hein. Tu m'as vraiment fait des dingueries. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouh là là, c'est compliqué. La cohabitation lapin-humain. Je vais vous montrer ce qu'elle m'a fait. Parce que madame creuse des terriers. Bon, ça, on l'aura compris. Mais moi, du coup, elle avait creusé un immense terrier par là. Et moi, j'avais tout rebouché. J'avais mis de l'herbe et tout. Et elle m'a viré ça. Elle m'a viré ma belle touffe d'herbe que j'avais essayé de replanter. Voilà. Pour ça lui donne moins envie de creuser, regardez-moi ça. En fait, elle creuse et elle étale la terre jusque là. Alors, ça y est, t'as fait l'inspection, je peux continuer? Oui. Bon, et il me reste tout ça à planter. Donc là, j'ai une courgette. J'en ai encore là-bas que j'essaie de faire germer. Des tomates. Mes blettes. Ah, ça, tous les ans, j'en fais. J'adore. C'est trop, trop bon. Dans les poêlés, les soupes. Partout, partout. Donc, on va essayer un petit peu. Je vais pas tout faire aujourd'hui. Je vais pas avoir le temps. Mais au moins la courgette. Tellement vite, j'arrive même pas à te suivre, mon doudou. Aujourd'hui ne fait pas très 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 beau,
Mais voilà, c'est pas plus mal, comme ça il fait pas trop chaud, je vais pouvoir jardiner. Je suis contente. Bon, j'ai remis les barrières à lapins parce que je peux pas les laisser tout le temps rentrer dans le gazon parce qu'ils se goinfrent d'herbe et bon, voilà, hein, de temps en temps c'est bien. Bonjour les petites plantes. Ah oui, je mets ça hein, pour les limaces, les escargots. J'en enlève plein, hein, les escargots, je les emmène dans le petit bois derrière chez moi pour les déménager. Mais voilà. Ça peut faire vite beaucoup de dégâts parce qu'il en reste toujours. Donc voilà, j'ai mes petits culs de bouteille là. Hein, très pratique. Ouh, mes petits tournesols qui poussent. Regardez, ça sort. Même là, là. Oh, ça sort, ça sort, ça sort. Là, j'ai semé dans deux bacs plein de petites fleurs. C'est vraiment un mélange de fleurs mielifères qui attirent les abeilles. Des petits calendulas. Voilà, là, dans ce bac, les fleurs sont beaucoup plus avancées. Bon, désolé, il y a du bruit hein, dans le quartier. J'habite en ville. Ma menthe qui est très très belle. Hein. Encore des petits tournesols. J'adore ça. Bon, là, pour la énième fois, j'essaye de semer des marguerites. Je vais avoir une fleur. Je sais pas, ça veut pas. Les doudous, ce qu'ils adorent faire en été, c'est se mettre ici. C'est un petit coin un peu caché, bien frais. Ça fait du bien. Alors lui, il se dit, ah, l'humain s'approche, je vais avoir une friandise. Bah oui, mais parce que mon rôle pour eux, c'est les servir. Voilà, je n'ai pas d'autre but à mon existence. Voilà, si j'existe, c'est forcément pour leur donner à manger. Voilà. Le reste, non. Non, mais vous venez de manger en plus. C'est bon, là. Les amis, je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de mes crayons de couleur et de mes feutres. J'en ai parlé sur Insta, mais j'en ai pas parlé ici. Non, mais c'est mon nouveau délire, là. Moi, les activités créatives... On ne m'arrête plus et tout ce qui est coloriage, tout ça, c'est mon nouveau truc. Je vais vous montrer tout de suite. Mais c'est obligé, je vous ai parlé de mes carnets de coloriage. Je vous les ai montrés. Bon, en tout cas, voilà, j'adore les petits coloriages. Vous voyez, petite scène comme ça. Je suis pas coloriage mystère. En tout cas, pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. Oui, petit mandala. Voilà. Et du coup, il me fallait des crayons de couleur. Et j'ai pas juste acheté un set classique. Non. J'ai repéré la marque Castel Art. Qui font des crayons de couleur d'une qualité, on va dire, c'est pas qualité professionnelle, mais c'est entre deux, quoi. C'est entre la qualité crayon pour enfants et qualité professionnelle. Et du coup, ils ont différentes pochettes. Moi, j'ai pris la pochette 220 crayons de couleur. Donc, attendez, parce que... Est-ce que j'ai laissé des crayons n'importe comment? Non, ça va. Donc, il y a le petit nuancier que j'ai rempli. Donc, on a de quoi faire, hein, on est d'accord. Mais du coup, les crayons sont de très très belle qualité. Les couleurs sont magnifiques. Vraiment, j'adore. Mais, ça ne me suffisait pas. Bah non. Bah non. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé. Mais en fait, non. Bref, j'ai racheté... Ce coffret-là, qui sont du coup des crayons de couleur pastel pour compléter ma collection, parce que 120 crayons de couleur, ça ne me suffisait pas, évidemment. Donc pareil, petit nuancier. Vous voyez, les couleurs sont quand même différentes et bien sympas. Ouais, franchement, ça complète vraiment ma collection. Je suis ravie de chez Ravie. Ils sont très très beaux. Je vais vraiment pouvoir m'amuser. J'ai déjà commencé. Voilà. Et du coup, donc, outre le coloriage, je m'amuse aussi dans mon bullet journal.
Donc mon petit bullet journal qui est un Rodia. Ça fait... Ouais, c'est la deuxième année que j'achète un Rodia, j'en suis très contente. Et du coup, à chaque fois, je fais une page de garde. Donc vous voyez là, ça va être voilà le type de page que je fais pour ma semaine. Mais du coup, au début de chaque mois, je vais faire ce genre de page où je mets donc le mois en question. Et puis voilà, je note comme ça les petites choses. Ça dépend. Là, j'ai mis colis et films à voir. Des fois, je mets la liste des recettes cosmétiques que j'ai envie de faire. Voilà. Et donc, bah, ça, je l'ai fait avec mes crayons couleur. Il y a un reel dessus sur mon Instagram, si vous voulez voir les petites étapes. Mais par exemple, j'ai aussi fait ça pour le mois de mai. Voilà. Donc ça, c'est ma grande passion. Je vous montrerai là à l'écran, il y a des comptes Instagram dont je m'inspire énormément. Et vraiment, vraiment, c'est sublime. Si vous aimez ce genre de choses, ça fait un peu un pas à pas, mais c'est filmé en version accélérée, donc c'est quand même agréable à regarder. Et ça permet d'avoir plein d'inspiration. C'est grâce à ça que j'ai fait ces deux choses que je viens de vous montrer. Donc je suis à fond, je suis à fond. Et évidemment, les crayons de couleur ne me suffisaient pas non plus. Ben oui, ben non. Donc j'ai acheté des feutres. Alors déjà, je voulais des stylos feutres, vous savez, à pointe fine. Donc là, c'est 0,4 mm. C'est les Stabilo.88. Voilà. Et donc, voilà, c'est ce genre de mine très très fine, vous voyez. Donc, j'ai acheté cette pochette sur Vinted. Vinted, j'adore. Et donc, j'ai eu vraiment pas cher. Et je vous le dis, si vous cherchez des feutres, des stylos feutres ou des surligneurs, mais la marque Stabilo, vraiment, mais chapeau bas. Je veux dire, je sais pas vous, hein, mais moi, j'ai encore des surligneurs. Bah, ils sont là, hein. Les fameux Stabilo Boss, ce genre de truc là, je l'ai depuis l'adolescence. J'en ai 3-4 comme ça. Ils sont encore pleins d'encre, bien bien pigmentés, bien humides. Ils marchent du feu de Dieu. Il y a zéro souci. Pareil, alors du coup, donc j'avais déjà, voilà, un petit 2-3 petits Stabilo .88. Pareil, ça fait des années que je l'ai, nickel. Et j'ai deux feutres, je sais pas où est l'autre, mais Stabilo Pen 68. Donc là, c'est vraiment du feutre, vous voyez. Et pareil, ça fait des années que j'ai ces deux feutres. Oui, je n'ai que deux feutres, bref, je sais plus où je les ai chopés. Mais pareil, ils sont encore hyper pigmentés. Si je colorie avec, on sent qu'ils ne sont pas en fin de vie du tout, du tout, du tout. Donc vraiment, mais la qualité de ouf. Et donc, j'ai acheté la pochette. Donc là, c'est une pochette de 30 couleurs. Voilà. Mais ce que je convoitais, c'était la collection de feutres Pen 68. Donc pour faire vraiment du coloriage. Et j'ai trouvé sur Vinted, la commande devrait arriver, mais du coup la personne les vendait, donc sans étui ni rien, mais je m'en fiche, la collection de 65 feutres. À moi les coloriages! Et comme ça ne me suffisait toujours pas, j'ai trouvé, parce que donc je suis abonnée à des comptes, je vous mets le compte, c'est... Et... Eva Nkoli, je sais pas comment on prononce son pseudo. Elle fait beaucoup de coloriage mystère. Bon, ça m'intéresse un peu moins. Mais elle teste des tonnes de feutres. Mais elle a une collection de l'espace. Donc c'est très intéressant. Et du coup, ben, elle avait montré qu'elle avait acheté ses feutres chez Action. En fait, c'est les Glitter Twin Marker. Accent magnifique. Et du coup, il y a deux pointes. Donc une pointe, voilà, un petit peu feutre fin, on va dire, hein. Et une pointe pen brush. Bon, c'est pas de la qualité pour faire du brush lettering, hein, mais en tout cas, ça permet de colorier avec une mine plus épaisse. Et donc, il y a différents coffrets.
Oui, alors oui, il y a le mot glitter, mais effectivement, ce sont des feutres pailletés. Bon, bah, il a fallu que j'achète toute la collection. Donc, il y a une collection, voilà, un petit peu orange, une collection un petit peu rose-violet, une collection plutôt bleue, une collection plutôt verte, et puis une collection plutôt rose, voilà. Et j'ai tout acheté, évidemment, et je vous montre à l'écran le swatch des couleurs. C'est magnifique. Bon, alors ça reste des feutres Action, donc ils sont très agréables à utiliser, mais je sais pas combien de temps ils vont durer. Mais c'est pas grave, c'était pas très très cher. Et donc je sais même plus ranger tout ça, hein, mais mais j'adore, je suis trop contente. Bon, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et comme d'habitude, elle est beaucoup trop longue. Donc je coupe ici. Vous aurez la suite dans pas longtemps.